Par conséquent, la première consigne, si je peux me permettre d'en donner, c'est que chacun, chacune garde son sang-froid. Mais ne se laisse intimider d'aucune façon. Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. D'abord, il faut prendre la mesure de l'importance de ce jour. Clairement, nous avons vu hier le chef de l'État jouer la stratégie de la paralysie, de la provocation et du chaos. Par conséquent, M. Macron, en mettant de l'huile sur le feu, il s'expose à deux réactions possibles. Ou bien les gens prennent peur, et ça n'a pas l'air d'être le cas, ou bien au contraire, ils s'endurcissent dans la lutte. Donc d'une certaine façon, on peut dire que M. Macron est un encouragement au combat. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer à Emmanuel Macron et à son gouvernement que les jeunes sont mobilisés contre la réforme des retraites, qu'à la beau être d'avoir été soi-disant voté, on ira jusqu'au bout pour le retrait et qu'on ira en fait jusqu'au bout pour notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste la réforme des retraites, c'est un ras-le-bol généralisé de la jeunesse qui en a marre en fait de vivre dans la précarité, qui en a marre de ne pas pouvoir rêver un avenir et qui aujourd'hui veut bâtir le monde de demain. Elle est légitime, la foule, parce que la foule, c'est le peuple. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont subir les effets de cette loi injuste. Donc ils sont plus que légitimes, parce que c'est eux qui vont travailler 2 ans de plus. Donc eux, ils connaissent leur boulot, ils savent les conséquences sur leur santé, sur leur vie, de travailler 2 ans de plus. Donc ils sont plus que légitimes.